Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le MDT épisode 15 il me semble. La dernière fois on s'était laissé juste ici, voilà. Et on s'était laissé en arrivant là, donc j'ai juste rendu la quête et j'ai pris les trois autres quêtes. Avant que l'épisode commence, je tiens juste à vous dire une chose. Ça y est, le problème de qualité est résolu normalement, donc bon, il n'y a plus de problème. Tout a été remis normalement parce que les deux derniers épisodes étaient un petit peu bas en qualité, c'était du 720-60. Là, on est reparti sur du 1080-60 normalement. Voilà, donc logiquement, pas de problème. Alors, le truc, c'est qu'ici, il pleut, c'est absolument dégueulasse, c'est terrible. Alors, il faut qu'on tue des macrini, qu'on récolte des plantes, et qu'on aille dans l'eau, je crois, utiliser l'éponge. J'ai lu les quêtes quand même parce que je me suis dit, je vais pas galérer encore pendant un quart d'heure pour savoir où est-ce que j'en suis au niveau des quêtes. En tout cas, j'ai vu que l'épisode 13 du MDT a été très bien reçu, hein. Plein de gens étaient contents sur Twitter de voir le retour un petit peu du MDT. Donc on va se recentrer vraiment sur le MDT, bah, cette fois-ci très clairement, hein. Alors, il y a juste ça que j'ai pas vraiment compris comment ça marchait. Absorbe les éclaboussures maléfiques qui se trouvent à proximité. Ok. J'ai pas vraiment compris. C'est peut-être ça fait peut-être partie de ça, on ne sait pas. Pas du tout. Très bien. Bref. Alors oui, on va vraiment se recentrer sur le MDT une fois que j'aurai terminé de parler de la dernière chose que je voulais faire, terminer un petit peu ce compte-rendu de la BlizzCon. Ah, c'est ça avec la boussole magnifique, ok. Une fois que j'aurai terminé donc ce compte-rendu de la BlizzCon, je continue donc simplement avec Hearthstone, hein, Hearthstone, c'était donc l'extension Cobalt et Catacombes. J'en avais déjà parlé un petit peu en fin de vidéo la dernière fois. Bon, je suis plus trop sur Hearthstone comparé à avant, hein. Là, c'est vraiment histoire de dire j'en parle parce que bon, voilà. L'extension a l'air cool. Vous pouvez retrouver la review des cartes sur mon site Goldwerdix Online qui est toujours en description des vidéos, bien évidemment, ainsi que mon battle tag Facebook et Twitter, tous les réseaux sociaux. Bon, voilà. Une review de cartes que je ferai sur le site. Pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent aussi pour Hearthstone. Même si Hearthstone, bon. Si, je testerai à la sortie de l'extension, je testerai le mode tunnel, là, le nouveau mode qu'ils ont créé. Je sais pas si c'est tunnel ou caverne, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Enfin bref, c'est plusieurs boss qu'on suit, qu'on bat à la suite. Enfin voilà, ça a l'air intéressant, ça a l'air pas mal. Mais sans plus. Après, ils ont annoncé, bon, pour les jeux secondaires, par exemple, Heroes of the Storm, ils ont annoncé deux persos, comme ils avaient fait à l'époque avec Varian et Ragnaros. Là, cette année, c'est Alexstrasza et Hanzo d'Overwatch. Bon, sympathique, encore une fois. J'ai testé les persos, plutôt pas mal. Heroes of the Storm, dont je passe beaucoup plus de temps en ce moment, j'aime bien. Je trouve ça sympa comme jeu. Bon, depuis qu'ils sont passés en 2.0, j'ai de plus en plus de facilité à y jouer. Je trouve ça vraiment. Ils ont fait un beau travail, non? Vraiment, c'est sympathique. Bon, on a bientôt terminé ça ou pas? Pas du tout. Après, niveau autre jeu, StarCraft est devenu gratuit. Donc, StarCraft, je m'étais jamais réellement intéressé. J'en ai déjà parlé aussi. Bon, c'est un jeu intéressant. C'est plutôt pas mal. Seigneur de l'eau brûlant. Où est-ce qu'il est? Hop. On est sur l'île là-haut. Alors, j'ai pas terminé les quêtes ici, mais bon, je veux terminer tout ça là-haut déjà. Et ensuite, on verra. Comme vu que c'est juste à côté, on va y aller. Et c'est tout, il me semble, parce qu'ils ont rien dit sur Diablo, pas de Diablo 4, ni rien. Et bon, les légendes de Warcraft 4, bien évidemment, peuvent rentrer chez eux. Invoquer un seigneur de l'eau brûlant à la pierre d'invocation. Donc c'est ici. Les légendes de Warcraft 4 peuvent rentrer chez eux. Et voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. J'en ai parlé sur Twitter avant-hier, oui, parce que pour ceux qui ne savent toujours pas et qui habitent dans une grotte, je suis énormément sur Twitter, hein, bien évidemment. J'ai parlé de commencer une espèce de série audio, donc pas d'affolement. Je ne parle pas d'une série audio qui se suit, etc. Non, non, non. Je base d'une série qui se base essentiellement sur l'écoute, dans le sens où il n'y aura pas d'histoire, mais ça racontera l'histoire d'une zone. Alors, je ne vais pas refaire comme par exemple plein de personnes l'ont fait, l'histoire d'un héros, l'histoire d'un truc comme ça. Non, non, moi c'est réellement les zones, vous voyez, par exemple, Ashara, Idjal, des trucs comme ça. Donc, comment elles étaient au début, comment elles sont devenues, les différentes choses qui ont fait que ça devienne, et des épisodes qui seraient raccord à ces choses-là. Voilà, ça m'intéresse énormément.
tout ça sur un fond musical avec des photos, etc. Reste à voir si ça vous intéresse, vous. J'en ai parlé sur Twitter hier. J'attends un peu des retours de la part de la communauté, enfin, du moins de ceux qui me suivent réellement. Bon, on verra bien. On verra bien. Oh, je l'ai pas. Elle est toute mignonne, tortue turquoise. Mais par contre, non, il me semble que mes pets sont beaucoup trop forts et que je vais les one shot. Oh, peut-être avec ciel rond docile. Non, même avec les ciel rond docile, à mon avis, je risque de le one shot. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles j'étais absent autant de temps sur le MDT et sur YouTube en général, 2 mois hein, après mon annonce de retour, 2 mois, notamment parce que j'ai tourné beaucoup de vidéos qui vont sortir bientôt. Fève de Caplay, mais où sont-elles? J'ai tourné énormément de vidéos, il y en avait qui me plaisaient pas alors je les ai supprimées, il y en avait qui me plaisaient pas alors je les ai recommencées. Et puis il y a eu beaucoup bah, ce problème d'encodage là avec mon logiciel de montage qui a planté des centaines et des centaines de fois sur une vidéo que je voulais encoder. Maintenant ça marche beaucoup mieux. Il n'y a plus aucun problème. Mon logiciel de montage aussi. J'ai retrouvé du 1080, je suis content. Et bah voilà. C'est tout. Maintenant tout reprend petit à petit. Et donc il y a ça. Il y a le MDT. Il y a ces petites séries audio que j'ai envie de tester du moins. Si ça marche pas, ça ne marche pas. Ou si je me sens pas de les faire. Je les ferai pas, mais pour le moment, je me trouve personnellement intéressé par le fait de faire ça, parce que j'ai vu personne faire ça, raconter l'histoire d'une zone, du moins vraiment, hein, parce que bon, il y a bien l'histoire des zones qui ont été dites, mais pas de façon concrète. Donc bon, là en ce moment, je lis beaucoup par rapport à tout ça, et c'est ça qui m'a donné cette envie de faire les zones de WoW. Puis bon, si ça intéresse des gens en même temps. Parce qu'il faut savoir que l'univers, hein, un peu Azeroth, et pas que hein, d'ailleurs, toutes les autres zones, Azeroth, sur Azeroth, Outre-Terre, Draenor, Argus, tout ça, c'est des univers bien différents. Hein. C'est des zones différentes, des choses qui se sont passées qui ont fait que ce monde était comme ça. Argus n'était pas du tout comme ça à l'époque. On voit dans les visions de Velen, quand on fait les quêtes d'Argus, on voit que c'était absolument pas comme ça. Hein. Donc, du coup, voilà. Et puis ce qui a lancé le déclic, c'est quand sur Twitter, quelqu'un, il me semble. De la communauté active m'a dit oui, tu parles beaucoup dans tes vidéos de l'histoire de WoW, t'as l'air de bien t'y connaître. Bon, je suis pas non plus un fou de tout ça, mais oui, je peux te restituer le lore en espace-temps, je peux te situer le lore dans chronologiquement, ouais. Sachant que bon, ce qui aide beaucoup, c'est bien évidemment les livres. Hein. Livres que j'ai lus, certains même 2 fois, tellement ils étaient bien. Christy Golden fait un travail de malade sur ça. Et toi, encore, tu viens m'embêter là? J'ai pas terminé. Clac. Alors, on a terminé toutes les quêtes avec Ergo. Ergo. J'espère qu'il va m'en redonner. C'est ça que j'avais peur. Ok. Allez voir Zardin Final à la station du Fusorail. Donc, il nous emmène, visiblement. Hop, ça c'est bon, puisque les gants ne sont pas pris en charge par le Stuff Héritage. Il nous emmène là-haut. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais peur, c'est qu'on n'ait pas de continuité de quête, mais visiblement on est bon. Il nous reste 20. Non, 30. Ouais, 32 quêtes. 32 quêtes à faire à peu près. On va arriver là. Bon, ça a l'air d'être la dernière zone, hein, visiblement. Parce qu'on a fait tout ça. Et ensuite on pourra passer à la suite. Donc à partir de ce soir sont disponibles les choix de zone. Donc. La prochaine zone 20-25 qui malheureusement on risque quand même d'être obligé de se la faire celle-là. J'ai bien peur, mais bon. C'est hors de Et mal. re, excusez-moi, le voyage était un petit peu long et j'ai été appelé. Donc, La on victoire continue nous tout de attend. suite. Mettez votre nouveau chapeau de sorcier, puis allez voir l'image de l'archimage Ghislaine jusqu'au nord de la station Nous du obtiendrons Fudorail. justice. Alors, il y en a encore. Ici, alors attends, il me donne 1 milliard de choses là vraiment. Et on a encore des quêtes ici, donc on va d'abord terminer ces quêtes là. Gloire au signe d'Aurel. Tuer la gardienne de savoir Ambrevent au camp de base d'Arnessien et récupérer son journal. Ok. Tuer 8 biologistes de Talrandis et récupérer les informations Noirgueule sur l'un des corps. Ok, donc ça c'est juste à côté, on va aller là. Ensuite, 3 c'est le quoi? 3, allez voir l'archimage Ghislaine en portant votre chapeau de sorcier. Bon, tout a l'air pas trop loin. Bon, bah c'est parti, on y va. Qu'attendons-nous? Du coup, j'étais un petit peu perturbé, je ne sais plus du tout ce que je disais, c'est pas grave. Ça ne doit pas être intéressant.
Biologiste de Talrandis tué, information récupérée. On est sur du level 17. Enfin, on a des mobs un petit peu intéressants, si je puis dire. KO. Hop. Alors, oui, je garde tout ça. Là, c'est pour la guilde. Hein. Je rappelle, nous sommes dans la Horde Family. La guilde que j'ai créée avec un ami, enfin trois amis plutôt, et ainsi que mon frère, dans lequel on est une trentaine. Bon, un petit peu inactif en ce moment, je ne vais pas vous mentir. Hein, voilà, rien ne sert de le cacher. Les gens sont en cours, c'est normal. Banane, on va manger banane. Plus qu'un biologiste. Nickel. Journal d'Abrevent. Donc ensuite, on nous emmène directement ici, le journal d'Ambrevent. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire? Tuer la gardienne du savoir, ok. Donc là, on est sur rébellion du côté du début, comme on était devant la porte. Là, on avait les attaques de Talrandis. On est un petit peu sur un côté rébellion, j'imagine. Ici, on a une mine qui part vers le mont Ijal. Ouh là là, berceau de l'hiver ici. Très belle zone, berceau de l'hiver, une zone que j'ai vraiment hâte de faire. Et mine de rien, on approche de la fin de l'épisode, les amis, hein, oui. Et oui, déjà, hein, c'est toujours triste le MDT quand ça se termine, mais bon. Il faut bien. Sinon, on n'avance pas. Le journal d'Ambrevent, donc à tous les coups, elle va être là-haut. Sauf si c'est... Non, je me disais, ça ne peut pas être elle. Quand même, un boss ne se baladerait pas comme ça. Sauf les world boss, un petit peu. World boss que j'ai commencé à faire, du coup, les world boss avec le retour. Là, on en a vu un la dernière fois. Les world boss vanilla qui ont été réimplantés en jeu pour deux petites semaines. Là, enfin, maintenant une. Hop, gardienne du savoir. Le tome est à nous. Et. Oh, une petite mission. Tuer des apprentis enquêteurs. Bon, vu qu'ils sont dans la zone, on va le faire. Ouais, donc j'ai plein de choses à aller faire en hors cam. Il faut. Ah, d'accord, récupérer les pierres runiques. Il faut absolument que j'aille chercher des sacs, surtout parce que là, regardez, c'est un peu la misère. Donc bon, je vais prendre l'argent de la guilde, j'en ai plein. De toute façon, c'est moi qui paye pour la guilde, donc c'est bon. Ça coûte pas beaucoup. Sinon, j'ai des sacs carrément, il me semble, dans le coffre de guilde que j'avais mis avec Dwager, du coup, il me semble. Parce que Goldward n'est pas de la Horde. Dwager qui est un voleur. Hein. Faudrait que je vous fasse la présentation des persos que j'ai montés, parce qu'il faut pas croire que j'ai chômé. Hein. J'ai monté beaucoup, beaucoup de persos. Durant ma pause, j'ai un voleur, un hunt qui approche du level 100 bientôt, voleur 80. DK aussi, j'ai beaucoup été intéressé par DK en ce moment. Et je voyais ce petit Silver War qui m'attendait en mode « Ne m'oublie pas s'il te plaît, je ne suis que level 25 ». Mais oui, je ne pouvais pas du tout continuer. Il l'a tué sans respect? Ouais. Plus que une. Est-ce qu'on va en trouver un dans la zone ou est-ce qu'on va devoir partir à l'autre bout du monde en chercher un? Je n'espère pas. Allez, voilà, très bien. Nickel. On a celui-là ici. Hop. On va passer voir l'autre là-bas. Allez voir en portant... Ah non, d'accord. Il faudrait rendre quelque chose ici. On va pas terminer, on n'a pas terminé. Hop là. Coucou. C'est venu magro. À tous les coups. Voilà, je me souvenais d'un endroit. Ici, on a toute la suite de quêtes avec la pierre de vision. Bon, attends, même s'ils viennent nous aggro, c'est pas grave, on leur lancera le bouclier à la fin. Voilà, on va leur faire ça. Toi, ta gueule. Toi, pareil. Continuer, terminer, aller voir l'assemblage arcanique qui du coup est ici. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord, bon. En tous les cas, c'est fini, donc bon. On s'en fout. On va aller directement déposer les petites quêtes. Et aller voir
L'archimage Xylem. Bon, l'archimage Xylem, logiquement, il est en face, donc bon, on va directement y aller, hein. On va quand même pas se laisser sur une fin de quête comme celle-ci. Il faudrait vraiment que j'aille vendre, par contre, parce qu'il me semble que je n'ai jamais vendu depuis l'MDT. Oula, une montagne. Comment monter? Un sentier, j'imagine. Porter le chapeau. Voilà, faut pas le perdre celui-là. C'est du stuff héritage, donc je risque pas de le perdre. Coucou. Salutations. Allez dans le Ah, temple. ok, bon, il y a de la quête ici. Bon, vous savez quoi, les amis? La prochaine fois, on va se retrouver ici. J'imagine que. Ok, c'est bon. On va se retrouver ici. On fera ces quêtes-là. Je vais aller en hors-cam, faire tout ce que j'ai à faire, changer les sacs et tout, rendre les quêtes. J'espère que cet épisode 15 du MDT vous aura plu. Désolé pour la petite coupure au milieu. Dites-moi sur Twitter quelle zone vous voulez voir après, parce qu'on est en fin de d'Azshara là, donc va falloir commencer à y réfléchir. Et si l'idée de la série audio vous intéresse. Allez, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur Facebook et Twitter et sur YouTube, bien évidemment. Lâchez un like. Ciao!